Salut les amis, c'est LGKey, et non, ce n'est pas du troll, aujourd'hui on va bien faire une vidéo sur le jeu Heyday. Donc il est juste ici, je l'ai téléchargé sur mon iPad, c'est aussi un jeu Supercell. Et du coup entre Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beach et Heyday, et Brawl Stars aussi, j'oublie le petit Brawl Stars, on aura fait les jeux les plus emblématiques de Supercell. Tu sais quoi, je vais lancer Heyday, on va voir si j'arrive à retrouver mon compte de l'époque. Parce que c'est un jeu auquel j'ai un petit peu joué, je l'ai pas autant charbonné que d'autres jeux, mais j'y ai quand même passé un petit peu de temps, et si j'arrive à retrouver mon compte, ça peut être bien sympa. Et en plus c'est un jeu que vous m'avez énormément proposé en commentaire, j'ai l'impression qu'il y a une communauté Heyday un petit peu dans l'ombre, ou au moins que tout le monde a déjà joué à ce jeu, un petit peu comme Boom Beach en fait. J'ai l'impression que tout le monde y a déjà joué, mais qu'aujourd'hui voilà, il n'y a plus personne dessus, et peut-être qu'il n'y a plus personne parce que là le temps de chargement est beaucoup trop long. Et les amis, changez la ferme, nous avons trouvé LGKey HD. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis HD dans mon pseudo? Et les amis, notre compte aidé au niveau 27. Alors est-ce que le niveau 27 c'est pas mal? Là comme on redémarre le jeu, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de choses à nous présenter, par exemple les petits poussins là qui se baladent. Il y a aussi le pass aidé, les amis, est-ce que je vais mettre de l'argent sur ce jeu? Du coup le pass, ils l'ont mis sur absolument tous les jeux, même sur Heyday. Et du coup le pass au niveau de la forme, ça ressemble de fou à Clash of Clans. Et par contre les récompenses, elles ont l'air stylées par rapport au pass gratuit. Les récompenses, ça a l'air assez fou. Donc si je me reprends d'une petite passion pour ce jeu, dites-moi en commentaire, enfin vous me le direz plutôt à la fin de la vidéo. Déjà on va dézoomer un petit peu, on peut pas dézoomer plus que ça. Je me souviens des villages à l'époque, là le mien il est pas beau du tout. Oh, il est moche, il est tellement moche. Par contre ce qu'on pouvait faire, c'était essayer de nourrir un petit peu nos vaches, on a rien. Et par contre les moutons, je peux les tondre. Oh, par contre ça c'était tellement satisfaisant. Les poules c'était pareil, tu prenais le petit panier, hop, tu récupérais tout ça, t'avais des fois un petit peu de chance, t'as des planches qui pop. Là pareil pour le bacon les amis, ce petit jeu il était trop stylé, je me souviens, mais j'ai tellement farmé ce jeu à l'époque. Ensuite on prend encore des petites poules et on va les renourrir direct, on a des sachets qui sont formés, hop on renourrit les petites poules. Ce jeu en fait, au niveau du gameplay y a rien à faire, pourtant j'ai passé tellement de temps dessus, enfin assez de temps en tout cas pour monter jusqu'au niveau 27. Là en plus sur Heyday, du coup je suis dans un clan, les petits cochonnets, et la dernière activité remonte à il y a 207 jours les gars. Dans la ferme le plus fort c'est Gabin au niveau 51 qui a quasiment deux fois mon niveau du coup, et par contre ça ferme à lui. Bon, en vrai, je suis pas plus impressionné que ça. Maintenant, ce que je vous propose, ça va être de jouer du coup premier degré au jeu. Ce que je me souviens, c'est qu'ici déjà on a un petit cadeau. Hop, on récupère des gemmes et je crois que ça vaut très cher des gemmes. Ah ouais, par exemple, en plus, tous les prix ont monté. Le coffre de 4000 diamants, 120 euros. Les amis, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont claqué 120 euros sur Heyday? Et par contre, booster un créateur de contenu. Déjà, est-ce qu'il y a des créateurs de contenu Heyday? Ça, c'est la première question que je me pose. Et surtout, est-ce que le code LGKey fonctionne sur Heyday? Ça, c'est beau. Du coup, ici, on a des petites commandes. On va regarder si on peut s'en faire quelques-unes. Là, du coup, si j'arrive à produire la jambière en laine, je peux faire cette commande. Par contre, ça prend 1h30 à produire. Bon, la machine à coudre, elle est juste ici. Et pour faire la jambière, il me faut de la laine. Et juste au-dessus, c'est une sorte d'écharpe. Je sais même pas comment est-ce qu'on débloque ça. Ok, c'est juste ici. En fait, c'est du tissu en coton. Je vais en fabriquer. Et du coup, ce qui était trop chiant avec Heyday, en fait, c'est pour ça que tu peux pas faire de vidéo sur ce jeu. Est-ce qu'il y a pas des créateurs de contenu aidés, mais quand chaque truc met 30 minutes, bon, moi, je vais le gemmer. Je vais le gemmer. Peut-être que dans cette vidéo, je reprendrai un pack parce que si je dois tout attendre, en fait, je peux rien faire dans cette vidéo. Du coup, je vais mettre la jambière en laine juste ici, et encore une fois 1h30. Les amis, je fais quoi avec cette vidéo? Je la tourne en 40 parties ou quoi? Bon, du coup, je vais juste gemmer ça. Après, je le ferai plus parce que vu le prix que ça coûte, c'est pas du tout rentable. Et par contre, on a une deuxième lettre, c'est beau ça. Il nous redonne 10 gemmes. Il nous incite à gemmer. C'est toujours comme ça, il nous incite à gemmer. Et du coup, je peux faire cette commande. On envoie, on clique sur le petit camion, et du coup, c'est parti. Pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ah oui, je crois que tu gagnes du coup des pièces d'or et de l'XP, c'est ça. Par contre, des pièces d'or, j'en ai quand même pas mal. Et du coup, le petit camion qui revient avec ses pièces d'or et son XP, on clique dessus et on se chope 340 XP. Par contre, le niveau 28, à ce rythme-là, c'est pas demain la veille qu'on l'atteint. Ici, elle veut que je lui vende des œufs. Et moi, frérot, je suis désolé, je vais les garder, j'en aurai certainement besoin. Et lui, il veut, c'est du soja, ça. Oh, les gars, je suis si nul en ferme. Par contre, on peut récupérer ici, c'est des petites framboises. C'est parti, on récupère tout ça. Par contre, mon CEO, il va bientôt être plein. Ici, on peut récupérer des cerises. Oh, ça fait plaisir. Et par contre, niveau XP, c'est beaucoup plus rentable de faire ça que de faire le truc d'avant. Ici, j'ai vu, il y a un petit 6 sur la caisse. Est-ce qu'on peut poser des nouveaux animaux? On peut poser des pans blancs, ça c'est trop stylé. Où est-ce que je vais le mettre, le frérot? Acheter d'abord un abri pour cet animal de compagnie. Et c'est quoi un abri pour les pans, frérot? Un poulailler? Volière, ça doit être ça. En vrai, si c'est pas ça, je suis dégoûté. Je suis quasiment sûr que ça doit être la volière. On a dépensé 10 000 pour ça. Et est-ce qu'on peut caler le petit pan blanc dedans ou pas? Comment ça, espace insuffisant? Bon, les amis, ce jeu, il me met en sueur. Est-ce qu'il veut pas nous expliquer pourquoi ça ne marche pas? Ici, on a quoi? Hop, ici, on a des petites murs. Est-ce que je peux pas déplacer les arbres à tout hasard? Si, j'aimerais bien les déplacer pour refaire vite fait une déco, le temps de trouver comment régler le souci des pans. Alors, peut-être que c'est au mauvais endroit. Peut-être que je suis une méga couille, je ne sais pas. Ici, attends, on a du bacon. On va pouvoir nourrir les cochons. Ou alors non, je crois que c'est juste pour le chien, tu lui en mets dans sa gamelle. Et si je le siffle, hop, tu gagnes un peu d'expérience. Bon, c'est pas la folie au niveau du gameplay, hein. On a connu mieux. Et tu vois tous les enclos un peu collés, je trouvais que ça faisait sale. J'aimerais bien pouvoir les décaler. Ça par contre, on a une hache. Et c'est quoi pour les... Oh, c'est une hache par buisson. Bah attends frérot, c'est impossible. Je pourrais jamais enlever tous mes buissons avec ça. On a quand même pu tout enlever. Et ici, encore quelques framboises. Et les haches, ça doit être une denrée rare. J'ai pile poil ce qu'il fallait. Ici, on a des petits renards, c'est trop stylé. Du coup, si j'en mets ici, ça dit quoi? Non, ça c'est pour renourrir les vaches. Attends, qu'est-ce que je peux
peux faire de ces petites bouteilles de lait qui sont ici. Ok, il y en a une qui s'est mise, tu sais pas trop comment, encore une fois le gameplay est étrange. Est-ce qu'à votre avis sur ce jeu, comme sur Clash of Clans, il y a des sneak peeks et tout? J'ai presque envie de tout de suite arrêter la vidéo et d'aller voir sur YouTube, est-ce qu'il y a une communauté Eday qui suit les mises à jour et tout, ça serait fou. Par contre, est-ce que j'ai pas l'âme d'un designer? Là j'ai fait un truc, c'est stylé. Mais par contre, ça ne me règle toujours pas mon souci de pan bleu ou pan marron ou n'importe quoi. Ok, c'est parce que t'as des ressources insuffisantes, mais en fait, là où ils sont fourbes, c'est que tu vois, les ressources, elles sont colorées. Donc en fait, je peux même pas savoir que j'ai des ressources insuffisantes. Bon les amis, j'ai craqué pour cette vidéo, la banquière, elle va me détruire quand elle va voir que j'ai dépensé de l'argent sur Eday. Je suis peut-être le premier en France à faire ça. D'ailleurs, le pass a été effectué, mais il nous dit toujours obtenir le pass, donc il y a soit un énorme bug. Déjà, où est-ce qu'il est mon pass? Maintenant, frérot, je l'ai acheté, donne-nous les récompenses. Et là, du coup, par hasard, en cherchant le pass Eday dans la boîte de réception, je vois qu'il y a des vidéos. C'est dommage qu'il n'y ait pas la date avec, mais t'as vraiment des gens qui font des petites miniatures stylées en plus. Il y a quoi? Il y a 3 youtubeurs, Phobie Gamer, Nighthawk et Red Knight. On a au moins 3 youtubeurs là-dessus, c'est fou. Hop, ici, une petite caisse. Parfait, ça, je reconnais les tickets. C'était les tickets pour acheter les animaux, les volailles. Donc là, est-ce que dans mon pass Eday, j'arrive à choper des petites récompenses par-ci par-là? Il faut faire des points. Et comment est-ce que tu les fais, ces points? Faut remplir les objectifs. T'as les objectifs du jour. Peut-être qu'on va se concentrer pour faire quelques objectifs du jour. Et t'as en plus les objectifs de la saison. Et je crois que ceux-là, ils te régalent bien. Ok, j'ai eu peur. Le pass dure encore 25 jours. C'est juste les objectifs qui se finissent dans un jour. Du coup, je vais essayer de remplir une deuxième commande déjà. Est-ce qu'on n'a pas une commande qui peut se faire facilement? Juste ici, si j'arrive à refaire un tissu en coton, c'est bon. Donc on va se faire ça. Un petit tissu en coton juste ici qu'on va gemmer. C'est fou de gemmer pour ça. Mais après, si je veux en faire une vidéo, je suis obligé de un petit peu gemmer. Du coup, hop, on aura avancé dans le pass Eday. Du coup, on a commencé à avancer. On a fait seulement 3 cases. Par contre, nourrir les poules, ça peut être intéressant. Ici, je vais mettre de quoi, hop, nourrir pas mal de poules. On va remplir les emplacements. C'est parti. Hop, j'ai quasiment tout rempli. On pourra nourrir full poule avec ça. Ici, notre petite récolte. Ah oui, mais ça, c'était avec la fossile. Le truc le plus intéressant à faire, c'était récolter les carottes et tout. Du coup, tu les récoltes et juste derrière, tu peux en replanter. Moi, pour les trucs de poules, j'ai besoin de blé et de maïs. Donc, on va en mettre juste ici. Je vais mettre 2 lignes, hop, de blé. Et on va faire pareil avec le maïs. Et ça prend combien de temps? Ça prend 5 minutes. C'est ultra long. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de booster ça? Ici, qu'est-ce qui nous fait le petit bonhomme? Vous avez besoin de moi? Je me demande ce qu'il fait. Et peut-être que pour le savoir, bah, je vais dépenser 15 gemmes. Toucher à nouveau pour confirmer. Et le mec, il a notre service. Tu sais quoi? Je vais lui demander une hache. Lancer la recherche. Le mec, tu lui donnes un objet, il va le chercher. C'est trop bien. Bon, après, faut voir combien de temps est-ce qu'il met pour aller le chercher. Ici, on récolte encore nos petites pommes. Et juste ici, on a le camion qui est revenu. C'est parfait. Quelques petits XP et de l'or surtout. Oh, le mec est déjà revenu avec la hache. Par contre, il faut lui acheter, mais. Oh, je vais carrément lui acheter. Hein. Je lui achète tout. C'est trop bien. Par contre, frérot, où est-ce que tu pars? Reviens, s'il te plaît. Reviens, mon frérot. Par contre, elle est illimitée, la map. Mais non, attendez, il y a encore tout ça à débloquer. Mais en fait, il y a encore tout ça à débloquer. Mais non, c'est n'importe quoi ce jeu. Là, c'est quasiment comme si sur mon village j'étais HDV3 en fait. Et je crois, attends, juste ici, le village ferme de Greg, c'est un mec qui est quasiment au niveau max, ou en tout cas 151. Il est très très loin et il a tout débloqué. Mais en vrai, ce jeu, une fois que t'as tout débloqué, une fois que t'es à fond dedans, parce que là, tu vois, par exemple, j'ai mon truc qui va mettre encore 2 minutes à faire. Une fois que c'est fait, je peux l'utiliser, mais en fait, quand t'as la ferme au niveau max, tu peux jouer, mais toute la journée. Il doit y avoir des trucs à faire en illimité. Bon, est-ce qu'on mettrait pas d'autres trucs à fabriquer? Tu sais quoi? Du sirop juste ici, du sucre blanc, ici, du petit hamburger, on n'a pas de pain. Est-ce qu'on peut pas faire du pain quelque part juste ici? Et on n'a plus de blé pour le pain, c'est honteux, mais il est déjà fait. Il est juste ici, hop, c'est récupéré. Et du coup, je vais pouvoir mettre, hop, 3 pains au micro-ondes ou plutôt au fourneau tel quel. Ensuite, ici, est-ce qu'on peut pas faire des petits gâteaux? On peut faire un gâteau aux fruits rouges. Tu sais quoi? Je vais lancer 2 gâteaux aux fruits rouges. Ici, on va remettre, hop, le sucre blanc qu'on devait faire. Là, il n'y a pas moyen de faire un gâteau ou un truc stylé si on peut faire des œufs au bacon. Tu sais quoi? Je vais les faire. En fait, c'est pour ça que le jeu est stylé, c'est qu'en fait, tout s'enchaîne. Tu fabriques des trucs et derrière, il y a d'autres trucs que tu peux faire. Là, je vais faire un bonnet avec un petit pull et on va essayer de tout faire tourner. On va ici tarte à la carotte et une petite tarte au bacon. Et ensuite ça, est-ce qu'on peut pas faire tourner du popcorn? Ah, il faudrait que je puisse récupérer ça, mais ça se finit que dans 2 minutes. Ici, qu'est-ce qu'on a? Saison terminée. Est-ce que... Non, je vais... De toute façon, j'ai même pas les gemmes pour le faire. On va juste quitter la vallée. Je sais pas vraiment ce que ça fait. Ensuite, le petit bonhomme est revenu avec ses 9 haches. C'est trop bien. C'est trop bien. Et là, il redisparaît. Ah non, il revient dans 2 jours. Ah non, il revient dans 2 heures. Ok, pour 15 gemmes, je sais pas si c'est rentable. Bon, est-ce que la roue de la fortune, on peut la faire tourner une petite fois? Bon, tu sais quoi? Tant qu'à faire pour la vidéo, on se lance une petite roue de la fortune et on gagne cet objet. Ça nous aurait évité de le faire juste avant. Tu sais quoi, je vais retenter. On va faire 2-3 roues de la fortune. Allez frérot, donne-nous un truc assez rare. J'ai l'impression... Oh non, pas encore ça. Bon, les nouveaux lancers, c'est peut-être le dernier. La boîte de clous, je crois que ça c'est un truc assez rare à débloquer. Boîte de clous. Et en vrai, du beurre. Bon, c'est... On a eu les pires trucs. Hein. Et en fait, tout ce qui est boîte de clous, c'était intéressant pour augmenter la capacité du silo. C'est là où en fait tu mets tous tes objets. Et là, quelques boîtes de clous, quelques vis, ça aurait été cool. Pareil pour ça, il nous manque encore les planches et le scotch. Ici, j'avais pas vu. Ici, on l'a pas fait tourner. On peut faire de la crème, un peu de beurre et même du fromage. Il faudrait que je débloque un emplacement ici. Tu sais quoi, on a fait l'emplacement pour lancer du fromage. C'est parti, elle veut des petites framboises. Ouh, c'est cher en plus. C'est cher payé, ça c'est parti, on te donne de la framboise. Y a pas de souci. Ça me stresse parce que mon histoire de pan bleu, c'est toujours pas réglé. Je peux toujours pas le mettre. Je suis dégoûté. Est-ce que dans le pass Eday, on a progressé? Si, on a débloqué de l'XP ici. Et là, on
se chope quoi ? Avantage débloqué, cet avantage offre deux emplacements de production bonus. Tu sais quoi, je vais faire sur la boulangerie d'abord, et par contre si j'arrive encore à débloquer quelques fruits, on a cette récompense. Ok, là objectif ça va être d'avoir des petits framboisiers, est-ce que je peux pas en planter quelque part ? Juste ici, attends c'est des framboises ou des murs, je me souviens pas. Dans le doute je vais mettre un coup de framboisier, un coup de mur, et on va même le faire deux fois. Je pense que ça peut être rentable. Et par contre ça met combien de temps ? Ah ouais, 18 heures. Ah, c'est un petit peu abusé ce jeu là frérot. Et ça prend combien de temps ? 1 jour et 7 heures carrément. Bon les amis, peut-être que pour le pass Heyday il m'en faudrait. Ici j'avais vu, en vrai j'ai pris le pass à 5 euros. Je peux bien prendre la petite offre à 1 euro. Les amis, j'aurais dépensé 6 euros sur une vidéo Heyday, c'est honteux. Mais en même temps, si je ne fais pas ça, j'ai pas de contenu pour la vidéo, c'est honteux. Par contre là, je vais pas me tromper. Il faut que je regarde de quoi est-ce que j'ai besoin pour la mission. Et c'est bien des framboises. Framboisier 14 gemmes. Oh c'est chaud. Du coup, on récolte ça. Objectif du pass Heyday atteint. Et dans le pass Heyday, on va pouvoir avancer de beaucoup cette fois-ci. On a les petites planches, ça c'est cool. On a la boîte de clous, ça pareil, je vous ai dit que c'était cool. Ça, on va le récupérer. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est une décoration. Un petit lancer de roue, ça c'est cool. Lancer de roue, le petit marteau. Ça, je sais pas du tout ce que c'est, l'espèce de cheval là qui se baladait. Et on était à pas grand chose d'avoir en plus cette petite récompense. Et juste après, il y a aussi un titre de propriété. Ça, je crois que c'est pour agrandir sa carte. Par exemple, si je clique ici, ouais, il faut les titres de propriété. Ou alors, il faut beaucoup, beaucoup de gemmes. Par contre, comment est-ce que t'as les piquets ? Il faut absolument que je débloque des piquets pour étendre un petit peu ma ferme. Ici, juste ici, on a quoi ? On a un petit sentier. C'était la décoration. Ah ouais, c'est une décoration. Elle est un peu radine. Hein. Ici, on a encore une caisse. Ah, pour ouvrir la boîte, 3 gemmes. Bon, allez, je vais le faire. 3 gemmes, on a une petite planche. Lui, il veut que je lui vende du soja. Ah, je suis désolé, c'est pas assez cher. Hein. Je préfère le garder. Ici, on peut récupérer, hop, tout notre maïs. Parfait. Ça, par contre, c'est ce que je kiffe le plus faire. Et on va remettre ce qu'on a le moins. C'est ça, je crois que c'est de la canne à sucre. On en remet à fond, mais aussi des carottes. Et je crois qu'on a une deuxième ligne. Y a pas un deuxième endroit. Ouais, juste ici. On va mettre un petit peu de coton. C'est bon, tout aura bien tourné. Et juste ici, c'était aussi des missions. Ça, par contre, je ne peux rien vendre. J'ai rien du tout. Si les tartes, je pourrais les faire quand je les aurai. Ici, on peut récolter un petit peu de poules. C'est parti. Ça faisait la mission. Non, je pense que ça nous laisse quand même très très loin de la mission. Peut-être que si on récolte encore les poules ici, il faut que j'aille voir dans le pass Heyday. Attends, on a un petit tour gratuit de roue. Je vais le faire. On a un petit ticket. Ça, c'est cool, le petit ticket. Par contre, le nouveau lancer pour payer. Bon, faut pas déconner. Et dans les objectifs du pass, ah ouais, nourrir les 50 poules, c'est pas demain la veille. Est-ce que ici, +3, +3. Donc, je vais pouvoir nourrir 6 poules. 6 poules, il faut en faire 50. Donc, c'est un peu compliqué. On avait récolté un petit peu de pain aussi. Et c'était un petit peu tout ce qui s'était fini. Hop là, attends, on peut encore faire des poules. Tu sais quoi, je vais nourrir une dernière fois les poules pour finir cette vidéo. C'est parti, on a tout nourri. Et si je regarde dans le pass Heyday, il faudrait que j'en nourrisse encore 28. Ah ouais, c'est extrêmement long. Et à côté de ça, il faut aussi que je fasse taffer la boulangerie. Du coup, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo Heyday. J'ai pris pas mal de plaisir à jouer à Heyday en vrai. Je crois que je vais certainement me reconnecter de temps en temps sur ce jeu. J'ai bien aimé. Et je pense qu'en plus, plus t'as un village amélioré, plus ça devient intéressant. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On en refera. Sur ce, c'était El Chiqui. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!